Ouais, je mets pas la caméra aujourd'hui. Je suis un peu sous l'œil. Un peu pas bien. Du coup, je continue de jouer aux jeux vidéo, mais y a pas de raison. Pas de raison que je m'oblige à mettre la caméra. De toute façon, y a des gens qui se débrouillent très bien sans. De toute façon, vous aurez pas envie de voir ma gueule. Comme ça, c'est fait. Du coup, peut-être que je me sentirai un peu plus libre de parler et de faire le con. Et bien sûr, tout ce temps, le type n'a. Enfin, la nana, elle a dormi, mais elle n'a pas été mise. Comment dire? Elle n'a pas été. Ah oui, donc elle dort vraiment. Mais genre, elle n'a pas dormi, elle n'est pas allée aux toilettes, rien. Et elle a survécu. Elle n'a pas bu non plus. Enfin, bon, voilà quoi. C'est ta gueule, c'est magique. Alors, s'il te plaît, mon gars, lui donne pas à boire direct. Ça se trouve, c'est ça le poison qui va la buter. Tu t'es déjà fait avoir tellement de fois. Là, tu fais confiance aux gens, ça y est? Et là, elle se réveille et meurt. Et là, ce sera vraiment lui qui l'aura assassiné. Et du coup, le titre sera en mode. Ah là là. Les gens n'apprennent rien. L'hôtesse se réveille en mode ah, j'ai fait une bonne sieste. C'est cool. J'ai la dalle, sa mère. Genre, ouais, meuf, ça fait un mois que tu dors en fait. Ah mais t'as perdu un bras, c'est marrant. C'est quoi ce bandage? C'est marrant du coup parce que les autres qui nous accusaient, c'est ouais ils ont tué la reine, etc. Tu fais bah... En fait non, vous avez mytho. Vous allez devoir laver notre nom. C'est ça, bonjour. Nanamo-sama wa mezamerareta. Gotenii no hanashi de wa mou anshin shite yoi so da. Quoi, bonjour et bienvenue. Bienvenue à qui? Ah oui, bienvenue à la nana, je suppose. Bordel, je me suis battu. Alors, je suis un peu sur les nerfs à cause de Square. Parce qu'en fait, j'ai acheté un code. J'avais peur qu'il fonctionne pas sur Steam. Et je pouvais le mettre nulle part. Mais c'est tout simplement parce que Square Enix code ses sites internet avec le cul. Et que du coup, on pouvait mettre un code quand on allait sur Chrome, mais pas Firefox. Merci Square d'avoir des développeurs aussi forts, intelligents. Mais non, mais... Je disais ça par rapport à la nana qui s'est réveillée, parce qu'en gros, la reine, en fait, elle n'a pas été butée, en fait, elle a juste été mise dans un espèce de sommeil profond. Et du coup, j'imaginais la réaction de la nana, en fait, qui, enfin, elle s'est réveillée, elle s'est levée, et elle a fait « Oh là là, j'ai l'impression d'avoir fait un très long rêve ». La meuf, ça fait un mois qu'elle dort. Bien sûr, sans boire, manger, aller aux toilettes, mais elle a survécu quand même. Hein. Mais du coup, j'imagine que la meuf, en fait, elle se réveille. Il y a un des marchands, là, des chefs marchands qui a été buté.
Les espèces de connards de cristal, ils sont partis en mode on se fait corrompre, on s'en bat les couilles, on aime l'argent et les REM, tout ça. Et le son général qui s'est fait couper un bras par un des mecs de cristal. Donc j'imagine la meuf qui se réveille qui fait mais attends, mais hier t'avais encore ton bras, c'est marrant. Et à cause des extensions, je sais pas, apparemment c'est connu que sur Firefox. En fait, les gens, ils étaient sur Firefox, ils n'arrivaient pas à mettre un code, et il y a un mec qui a fait ah, j'ai essayé sur Internet Explorer, ça marche. On se rend bien compte qu'on vit dans une timeline où Internet Explorer fonctionne des fois mieux que Firefox. C'est beau quand même, c'est beau. Donc à partir de là, tu dis bon bah on est fucké, on est doomed. Alors oui, ah c'est bon, ah Edge, ah c'est Edge, oui ça change de nom donc c'est mieux. Tout de suite, ça smart assise sur les noms. Et c'est comme tu me disais, ouais la droite maintenant il s'appelle les Républicains, c'est pas la même chose. Eh. Ouais, Edgy, Bedouins. J'avoue. Propre. そこにこそ勝機があり生きる道もあるましてやガレマール帝国の動きが不穏な今国の在り方を変えようなど無謀にも程があるからな J'en profite un petit peu pour écrire. Hein. Oui, petit tap. Alors, oui, ouais, je petit tap. Il faudrait que je règle mon micro, mais bon, je sais pas du tout si le micro est le bon en vrai. Où est-ce que c'est? Non, si, c'est bien le mon style series. Bon bah voilà. Tipiti tapiti tap.人類庫に突き刺さっておる帝国の飛空戦艦。確かアグリウスと言ったか。あれの後継艦が完成し、初飛行に成功したらしい。それはいつのことです。Ah putain, les voix de daron qu'ils ont, les mecs là à la Fel, c'est abusé quoi. C'est 先日のことのようだ。新皇帝バリスが動き出す日も、そう遠くはないということだろう。Okay. 帝国の脅威に対抗するための体制がため、
Ça y est, Hulda, genre le nom des mecs a été lavé. On peut aller buter tous les mecs de cristal parce que c'est juste des corrompus de mes couilles qui ont essayé de me buter, etc. Non, parce que là, un chevalier noir, il demande vengeance et il demande du sang. Hein. Ouais, par contre, Alfino, les connards de cristal, s'il te plaît, tu présents. Ah non, moi je l'ai buté. Hein. Tous les mecs qui m'ont trahi, je vais les buter. Alfino, reviens ici, porte tes couilles s'il te plaît. Ah voilà, tu vas mettre un terme à l'existence des meufs du cristal. Ok, je suis avec toi. Il faut buter qui? Ah voilà, ceux qui sont restés fidèles, ouais, ceux qui sont pas restés fidèles, c'est... C'est voilà. Eh, les baves, c'est ça. Les connards de cristal. Cristal bave. Cristal bave. Voilà, les déserteurs qui ont dit... Hein. Alors, okay, qui ont décidé de suivre ce trait d'Hilbert, ok. S'ils décident d'être raisonnables, ils se rendront sans trop faire de vagues, mais je ne mettrai pas ma main à couper. Ah, nice. Il va y avoir de la baston avec des connards. C'est bon, ça. Ça fait plaisir. Et, Ola, Rak, comment vas-tu? C'est même pas parti en fumée, c'est parti en couille. Mec, réveille-toi. Ah, au fait, j'ai presque réussi à faire tourner en live No Man's Sky. J'espère que ça se passera beaucoup mieux plus tard. Non, c'est pas ta naïveté et ton arrogance, c'est juste que t'as voulu faire un truc qui était cool à la base. En donnant une seconde chance à des nantis et des gens pas forcément très très bien. Et au final, il faut pas donner de seconde chance aux gens. Et c'est con à dire, hein, mais voilà. Il faut retrouver une Minfilia, très bien, de toute façon on va les retrouver de toute façon. ドーケのクリスタルブレイブ総帥は卒業だ。これからは暁のケツメインの一人として学び、戦い、歩んでいくつもりさ。 Ah ben je crois avoir dit ben je lui passe le bonjour et j'espère qu'il va bien. Donc oui, j'imagine que voilà. T'inquiète Alfino, t'es quand même le mec qui est resté depuis le début et que tu t'es accroché de ouf. Donc TKT lol. Vous étiez là pour m'écouter. Bah t'inquiète, hein, je suis là, je suis le héros, donc j'ai pas trop le choix non plus. Alors, archer, machiniste, tout ça, le machiniste. Ah machiniste. Va peut-être falloir que je vende des stuff parce que sinon ça va pas le faire. Aucune nouvelle de Sid. Ah, toi t'es trop classe. Yugiri, t'es trop classe s'il te plaît. C'est mon scénarité, oui. T'inquiète. Venu au sujet. Les soldats du 3ème escouade restent en poste au refuge des roches. Accueillir lieu après la fuite d'Hilbert.
Ceux qui sont restés fidèles. Ah, des gens qui sont restés fidèles. C'est étonnant, mais c'est tant mieux. T'inquiète. Ah, on va passer les dialogues, JPP. J'ai envie de passer quelques dialogues. Quand ça parle japonais, je veux bien, mais si ça parle pas jap, je suis en PLS. Faut lire et c'est chiant. Alors. Par fucking pitié. Je vais peut-être vendre des trucs en vrai. Je vais essayer de voir ce que je peux vendre. Il y a des gens qui sont à poil, wesh. C'est quoi ça? Alors bonjour, Apéricube. Alors, confier, mettre en vente un objet de votre inventaire. Très bien. Dague émoussée. Ouais, super. Alors, ouvrir l'arsenal, s'il te plaît, merci. Alors, j'ai rien à vendre. Là, j'ai rien à vendre. Contrôle 62. Contrôle 62. On peut pas classer les trucs. Voilà, gladiateur, nia, pété, chez de. Bah, la cuirasse en acier, je peux la vendre. On va essayer, hein. On va la vendre. Bah, 100 alors. Ça me fait toujours 100 giles, c'est toujours mieux que rien. Ça, c'est quoi? Combattant. Combattant, je le garderai bien si je fais un. Tablier de chef taché. Y a rien à vendre. Là, c'est quoi? C'est du 54-54. Donc, ça, je vais le garder, possiblement. Possible mello. Alors là, c'est je peux le vendre parce que gladiateur, machin, plate, on s'en carre. Ça se vend à 142. Donc bah 140, 141. Voilà. C'est des petits trucs à vendre de merde. Combattant, je vais le garder. Glad, machin, on s'en carre. C'est quoi ça? Ça se vaut 134. 130. J'arriverai peut-être jamais à les vendre, mais c'est pas grave, c'est de cette prix. Enfin, si j'arrive à les vendre à même 100 et quelques. Et ensuite, ouvrir l'inventaire. Et normalement, j'ai des trucs ici. Donc ça, c'est quoi? Niveau 54, je le garde. Niveau 54 aussi, je le... Bah, pourquoi je le garderai, en fait? Je sais pas trop... Ah! Alors, on va changer en machiniste. Hop, appliquer. Et on va faire. Tac, on va remplacer par l'équipement actuel. Nia, nia, nia. Voilà. Ça, voilà. Sans car les nuts. Je vais jouer gay et puis voilà. Ah, oh, c'est le premier donjon. Ouah, c'est de la merde. On va se faire chier. Le gameplay mono-cible. Le gameplay mono-cible. Enfin, le gameplay une touche. Surtout le donjon. Viens, on est bien. Regarde tout ce qu'on peut faire. Je sais que c'est plus rentable de faire du mono-cible, enfin du multi-cible à partir de 3 cibles. Mais... Ah! Le tank n'a pas mis sa stance. À moins que je fasse trop mal, mais ça m'étonnerait. Quand même, respectez mon DPS de merde. Pourtant, je tape la cible du tank, hein, donc... That's not fair. Oh, c'est dégâts 90 quoi. C'est ridicule. C'est fortement ridicule, on se fait chier, mais c'est pas grave.
final c'est pour gagner de l'XP, c'est le... Je crois que ce perso c'est celui qui a le moins de... Oh, un heal qui pull. Magnifique. Incroyable du fion. C'est pour gagner de l'XP, je pense que... Au bout d'un moment, je vais essayer d'équilibrer les choses. Après, je jouerai pas forcément moine tout de suite. Je vais me concentrer sur quelques classes seulement, les classes que je veux vraiment monter. Donc il y a deux tanks et deux DPS. Il n'y a pas de heal parce que... Franchement, j'ai la flemme de repasser niveau 30 là. En fait, faudrait que j'arrête de faire des roulettes et plutôt que je me concentre sur les... comment ça s'appelle, les quêtes. Donc, je finis ça le plus possible. Et non, je n'ai pas envie de payer en fait de finir les quêtes. Parce que c'est hors de question que je fasse ça. Totalement hors de question. Oh, Discord qui s'approche. Alors, on va faire ça. Sort de Discord, salut. Le mode streamer ne marche pas bien. C'est un peu fromage. C'est marrant. À corps alors que je suis à distance, c'est un peu de la merde. Oui, je sais ce quoi. Alors, c'est marrant parce que du coup, si je dis Discord, bah c'est Discord, et du coup, je me dis, c'est bien en fait, les gens ils m'écoutent et entre guillemets ils m'obéissent. Si je leur dis de dire quelque chose, ils le disent. Donc, si par exemple j'exprime quelque chose comme filez-moi 10 000 balles, est-ce que ça marche? Et même 10 000 balles de tennis, je les accepte. Je m'en fous. C'est juste pour la beauté du geste. Sans vouloir le reste, tout ça et apprendre à vivre. Ah bah il faut assumer. Ah hein. Envoyez les dons, bordel. Est-ce qu'il faut que je sois, comme l'a dit ce magnifique streamer ancien no-name, nouvel influenceur nul parce que le mec s'est fait boost par le stream. Le stream FR je crois, machin. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut vouloir stream sans ambition, tout ça. Donc je me dis, est-ce qu'il faut juste être condescendant pour avoir plein de followers? Donc je vais vous traiter comme de la merde et normalement selon le théorème de MVO carré plus Zerator Benzaï. Je suis censé demain avoir à peu près 250 000 followers et 3000 viewers pour chaque stream que je vais faire. Et ça, c'est beau. Déjà salé. Non, mais j'étais salé toute la journée. Une grosse partie de la journée. Et en plus, j'étais salé tout à l'heure. Parce que j'ai quand même envoyé un mail à... s'appelle au support de Square parce que je pouvais pas rentrer le code. Donc je me suis dit, ça y est, je me suis fait baiser de 20 balles là ou je sais pas quoi, ça me gave. Je me suis battu, je me bats avec No Man's Sky en ce moment, je me bats avec mon compte Final Fantasy. Ouais, je suis un peu salé en fait. J'ai l'impression que c'est le monde qui me provoque et qui me dit allez, jusqu'où on peut y aller avant qu'il craque et qu'il jette par la fenêtre. Ouh, ah, magnifique. Un gourdin éthéré. Gourdin. Jean-Jacques Gourdin. Mais monsieur Gourdin, laissez-moi la parole, je vous en prie. Sponk.
Merde, Jean-Jacques Gourdin. je rigole à mes propres blagues, laissez-moi tranquille. Ah merde, ah non. Non, je parlais pas d'un porno, wesh. Putain, sérieux. Non, c'est même pas moi qui fais les... Je fais juste les blagues et après, les gens, ils détournent mes blagues. C'est quoi, c'est RMC, c'est ça? Jean-Jacques Gourdin dans les studios de RMC. Oh putain, quel enfer. Quoi non? Je m'en fous, je vais faire le montage photo, je m'en bats les couilles. Et je vais percer sur Twitter grâce à ça et et après j'aurai plein de followers parce qu'ils verront que je suis juste un débile et me voir dire de la merde, ça les fera marrer et je donnerai du bonheur aux gens. Et ça c'est beau. Parce que bon, je me dis que si les gens ils kiffent tellement le sel qui sont des milliers à suivre Sardoche. Je me dis que j'ai aucune raison de pas attirer les gens avec mon sel. Après oui, je tape pas mon clavier, mais ça peut s'arranger si j'ai un partenariat avec un truc qui fabrique des claviers. Je peux en péter 3 par soir, je m'en bats les couilles, hein, tant qu'il y en a 3 dans ma boîte aux lettres le lendemain matin. J'ai que pour le moment le fait de me regarder jouer à FF et juste pas mis une touche, c'est pas très très intéressant, mais disons ça a changé normalement bientôt. Là, j'ai oublié okay. Bah quoi, Jean-Jacques Gourdin quoi. Laissez mon putain de Jean-Jacques Gourdin. N'empêche, ça aurait une autre gueule les interviews sur. Je crois que c'est sur RMC où il est Bourdin, non? Parce que si c'est un mec avec une tête de gourdin. Qui vient t'interviewer, tu veux... Ok, c'est bon, je vais pas dire un mot de travers parce que sinon je vais m'en prendre un coup dans la gueule. Et ça, c'est beau, putain. Ah, c'est beau. C'est beau les interviews qui se passent bien. Ah non, moi j'imagine un gourdin comme un espèce de gros bâton en bois avec une forme un peu à la con qui sert à taper des trucs. J'imagine ailleurs quoi, bah bravo. Ah bah c'est ça l'exemple hein. Voilà. Ah mais non en fait faut viser l'autre truc derrière hein. Le mage à la con qui a pas tout le monde qui a toujours pas compris. C'est tellement bien d'être un DPS distance en vrai. Pan. Pan. En pistolero l'aile.
Tu peux rapprocher les meubles, s'il te plaît. Et ne t'excuse pas, les monnettes, hein, y a pas d'embrouille. Je veux dire, on peut pas tous avoir l'esprit pur et innocent. Heureusement que j'ai pas allumé ma cam parce que là je suis en train de me marrer. J'ai tellement envie d'avoir cet appart que j'ai envie d'aller voir à quoi ressemble l'immeuble en fait. J'ai envie d'y aller un moment et de voir ce que c'est l'immeuble. Je ferai peut-être ça demain si je suis tout seul. Taf. Spoui, boui, pouette, 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 passage cinématique. Oh putain, je veux que dans cet appart il y ait la fibre. Et s'il y a la fibre en plus, je suis tellement bien. Oh, il me faut la fibre. Oh, il me faut tellement la fibre. Oh my fucking god. Bon, je fais le défi et le reste, je m'en vais. Hey! Hey, Nuyami Love! Bah, Nuyami, t'as changé de blaze ou c'est un autre compte? C'est bien le Nuyami que je connais, celui que j'adore. Je kiffe. Je crois que c'est lui. Et si c'est pas lui, bienvenue. Ah, si c'est lui. Ah ouais, bébé. Oh oui, bébé. Ça y est, ça part en couille. À l'aide. Comment ça va depuis le temps? Ah, bordel, la camelotade, putain, ça sonne le marché et le vieux port, bordel. Non, j'espère que c'est un putain de bon appart, parce qu'il y a... De bon appart, non, alors ne faites pas de blagues sur Napoléon, par pitié. Vous voyez, les blagues, je les fais avant vous. Vu que ça avait l'air d'être un chantier quand on regarde sur Google Maps, je pense que ça va être un nouvel immeuble. Donc si un nouvel immeuble, j'aimerais bien que l'immeuble soit bien insonorisé, bien isolé et avec la fibre. Parce que si j'ai pas la fibre, on retourne sur des streams en mode 30 IPS, 720p parce que c'est de la merde en barquette. Oh putain, ce serait tellement la bite. Ah, c'était pas là qu'il fallait que j'aille. Ah bordel, en plus je serais tellement bien placé. Je serais pas dans Paris intramuros, mais j'aurais un putain de métro pas loin. J'aimerais tellement... C'est quoi cette quête? Quelque chose de palpitant organisé à Nathalie et... Ah oui. On croise les doigts, ah oui. Alors en gros, hein, entre guillemets, pour me la péter, oui et non, quoi. Ah non, il faut que j'aille parler à des gens devant des instances, mais niquez-vous, quoi. Oh putain, il y a encore des quêtes. Je les ferai après. Quand on descend, oui. C'est en gros l'appart, il est à 2 minutes de la ligne 13. 2-3 minutes de la ligne 13. C'est pas la meilleure ligne de Paris, mais une fois qu'il y aura la 14, on sera bien. Oui, oui, toi le blond là. Oui, toi, t'es. Putain, il est pas mort. Tant mieux. J'ai envie de leur faire des câlins. Laissez-moi vous faire des câlins là. Toi aussi, et vous tous là, les 5, je vous fais un câlin. Ah oui, vous êtes trop fort, je vous kiffe. Faites-moi un câlin. L'objectif... Ah, c'est beau, des gens fidèles. Et ça, c'est beau. Et je parle... C'est pas un nom composé.
Ça aurait mérité un doublage en jap, ça, bordel, c'est l'émotion. Ah, il est classe, lui. Et là, s'il vous plaît, si on recommence. J'en suis où dans le jeu? J'en suis à la première extension à Ishgard, mon cul, là. Et voilà. Après, si t'as pas été jusque-là, j'ai pas de spoil. Et sinon, si t'as déjà tout fait, dis-le au moins que je te dise exactement où j'en suis. Ok, t'as fini Shadowbringer. Alors, j'en suis au moment où le général de Ulda, là, il donne la potion à la reine pour qu'elle se réveille. Et du coup, là, je suis en mode Inquisition espagnole pour aller brûler les traces de cristal qui m'avaient trahi à la base. Enfin, moi, j'ai envie de les cramer, mais après, je sais pas ce qu'il va vouloir faire, Alfino. En tout cas, si il y avait les choix comme dans Star Wars The Old Republic, je demanderais à les brûler. Si j'étais un Sith, je demanderais à les trancher sans sommation, les exécuter séance tenante, et éventuellement d'envoyer même la facture de la balle aux familles. Ah là là. Ah, The Old Republic, il est tellement bien ce MMO, bordel. Rien que le choix et les planètes et tout, c'est trop bien. Ouais, il était vraiment génial, quoi. L'histoire m'a tenu la tronche pendant. Bah, en fait, j'ai fait 4 fois le jeu. J'ai fait un avant-garde de l'Alliance, enfin de la République, et j'ai fait Inquisiteur Sith et Sniper. J'ai fait 3 persos. Les 3 histoires m'ont rendu ouf. J'étais comme un dingue. Je pouvais pas décrocher en fait. Alors que là, FF, le scénar, c'est juste un couloir en fait. Ben, c'est exact, Noyami, c'est exactement ce que je disais en fait. Les gens en général, ils disaient ouais, mais j'aimerais bien un jeu Star Wars bien et tout. Je leur ai dit, mais franchement, vous voulez un vrai jeu Star Wars qui est vraiment trop bien? Jouez au MMO tout seul. Jouer à Star Wars, et je le redirai encore, jouer à Star Wars The Old Republic, même si c'est pour jouer tout seul, il n'y a pas de problème, le jeu est plaisant à jouer même tout seul. Et le scénar est trop bien, et c'est BioWare, donc les choix dans les dialogues, trop bien, bah, franchement j'ai kiffé. Bien que nous étions. Nous sommes donc concertés dans notre arrivée et avons décidé de nous joindre à votre prochaine entreprise, quelle qu'elle soit. Ah, ils sont trop forts! Vous êtes sûr que. Mais bien sûr, hein, tais-toi! Elle est trop stylée, je croyais qu'elle était morte. Ouais, pas d'uniforme, parce que l'uniforme que l'autre avait choisi, c'était dégueulasse. C'est dommage, si tu retournes. Il n'y a plus grand monde, du coup, même ouais. Ouais, j'avoue, un MMORPG vide, c'est triste, mais comme je considère plus Star Wars The Old Republic comme un très 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 un excellent jeu solo qui te permet aussi de jouer en multijoueur, je me dis que si tu fais ça pour le jeu, surtout que maintenant il est free to play, je crois, c'est un freemium, je crois, tu peux bien t'amuser quand même. Tu peux quand même bien t'amuser, pardon. Vous aidez à retrouver Minifa et les autres, s'il vous plaît. Oui! Oui, vas-y, oui! Oui! Tra, elle est tellement classe, elle! Ah oui, c'est sûr, ça a apporté de la vie, oui, c'est sûr. Allez, pleure! Il va pleurer! Oui! Et moi avec mes sourires. Ah putain, mais arrête de sourire, putain, mon perso, il faut qu'il arrête de sourire. Immédiatement. S'il te plaît, cesse. Cesse donc de sourire, tu fais peur. Sniff, oui, je sais. Ah, les vrais amis. Bien sûr qu'on va aller de l'avant. Alors oui, alors je joue en ce moment machiniste, mais ah, il est niveau 63, donc normalement je crois que. 65, niveau 60. Eh ben, on va jouer Samusa.
En gros, j'ai envie de jouer 4 classes. Voilà, j'ai un pistolet sabreur, d'ailleurs qui est niveau 60, donc c'est le plus bas. Donc je pense que... voilà. Paf, paf, paf. En gros, j'ai 4 classes qui m'intéressent. Donc il y a 2 tanks et 2 DPS, donc dans l'ordre. Je dirais chevalier noir, machiniste, piste sabreur et samouraï. Et pas de healer parce que ça m'emmerde. Un vieux trauma que j'ai eu à WoW, à Lich King, et depuis je ne veux plus du tout jouer healer. Je joue tank, c'est déjà assez la chienlit comme ça. Donc voilà. Ah bordel. Et d'ailleurs, bah du coup, si à un moment donné tu fais des roulettes nulles, parce que j'ai pas accès à toutes les roulettes, hein, parce que je suis nul, hein, comme je l'ai dit. Manufacture. Si tu as de la place à un moment donné pour jouer ou quoi, ce sera avec plaisir que je m'intégrerai au groupe. Je suis sur Spriggan, mais avec le transfert monde. En fait, Spriggan, il y a de l'XP de ouf en fait. Donc je vais super vite. Ah, Omega, je sais pas si je l'ai vu sur. Ah merde, j'aurais pas dû TP. Atta. Je vais voir si je peux me TP sur Omega, parce que sinon on pourra pas du tout jouer ensemble en vrai. Après, je pense qu'une fois level max, je me déplacerai sur un autre serveur. Mais en attendant, voilà. Alors, point de retour. Nanana. Ah, mais non, mais il faudrait que j'aille à l'IMSA. Donc, je verrai après. Mais si c'est un serveur français ou européen ou je sais pas quoi. Européen, je sais pas, mais français, normalement, il devrait y avoir de quoi faire. T'es sur Chaos. C'est bon, ok. Ah, nice. Faudra juste qu'on se retrouve à un moment donné sur une zone précise, parce que chercher les gens sur le truc. Eh, hey, j'ai un message. Comment ça, j'ai du courrier, mais ta sœur. J'aime bien piste. Bah, en fait, je suis juste dégoûté d'un truc, par contre. C'est que. Alors, je sais pas si je vais réussir à bien exprimer mon. Ce que je pense. Putain, je sais plus où est-ce qu'il y a un mog. Il y a un mog à côté du manoir de mon cul là. En fait, je suis juste déçu d'un truc. C'est que les classes de tank font autant. Enfin, il me semble, hein, les classes de tank font énormément de dégâts également. C'est limite un DPS. Mais on ne peut pas tag. Dans les instances ou quoi, en DPS avec une classe de tank. Je trouve que ça bloque un petit peu les classes dans un rôle prédéfini. Et j'avoue ne pas être excessivement fan de ça. Alors à quoi je joue d'autre? Je joue à... alors j'essaye de faire tourner No Man's Sky en live, mais j'y arrive pas. Je joue un petit peu à Magic Arena, même si c'est des gros cons. Et après, je joue à Summoner's War et Grand Chase, la base. Alors, c'est quoi? Merci de jouer à Final Fantasy Monsby. Ah, moi, je kiffe aussi. Hein. Ah oui, c'est le truc de Claudo. De Clodo. Quatre pièces d'équipement pleines de nostalgie. Je vais pouvoir m'habiller en Clodo Strife. Oh, ça va, j'arrête de dire du mal de Cloud, je m'en fous. En plus, j'attends le remake de FF7, donc... Enfin, c'est même pas le remake, c'est le reboot, parce que là, finalement, ça a l'air d'être un peu sympa. S'ils approfondissent un petit peu le... Eh, je vais essayer un truc.
Chotomate Kudasai. Et j'adore aussi les armures. Bah, disons que ce n'est un secret pour personne, je suis edgy as fuck. Donc pour moi, avoir un chevalier noir qui a des... Enfin, mon main sur WoW, c'était Dark Knight. Enfin, c'était Chevalier de la Mort, donc Death Knight. Donc, bon, voilà, quoi. Evansward, bon. Alors, c'est quoi un drainage abyssal? Ah, je peux le faire. Nice! Parce que la présence spirituelle apparaît, ça... connaître la vérité, Didia, un dravanien. Ok. Oui, oui, t'inquiète, j'ai parlé avec un dravanien, tout ça. Oui, j'ai parlé avec leur chef. Ah bah merde. De toute façon, c'est un défi. Donc. Shadowbringer, bah si c'est ce que je pense, ouais, je vais bien aimer. Bon, après, voilà quoi. Et ouais, donc en ce moment, je suis plutôt focalisé sur sur ce jeu. Alors. Ah, oh, j'adore sa musique par contre. J'adore ce boss. Alors j'ai toujours pas compris quand est-ce qu'il contre et quand est-ce qu'il contre pas, mais tout ce que je sais c'est que le boss est cool. Alors ça se voit pas mais je me dandine sur ma chaise. Putain, il faut que je commande ma chaise. J'ai toujours pas de chaise gamers et je me bousille le poignet. Enfin, les poignets même à être mal assis. Enfin, je me bousille les avant-bras et c'est chiant. Ah non, arrête de tirer, abruti. Voilà. Enfin, je crois qu'il fallait que j'arrête de tirer. D'accord, là t'es en train. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse là. Il faut se rapprocher. Ah, il fallait se rapprocher, je crois. Pour partager les dégâts. Il faut au milieu. Ah merde! Ah putain! Bon bah tant pis, hein. Bon, regarde. Oh, ça va! Non, arrête de tirer! Ah, il faut péter les papillons, au secours! Les papillons! Les papillons! Mais ouais, je compte bien faire Shadowbringer. Bah, en fait, le jeu, je l'ai déjà rentabilisé en fait. C'est-à-dire avec mon magnifique. Comment ça s'appelle?
magnifique calcul de 1€ égale 1 heure, sachant que je suis déjà à plus de 200 heures de jeu, je pense. Ah bah de toute façon, t'inquiète, hein, comme j'ai toujours dit, hein, c'est l'IRL qui prime et c'est le... c'est votre vie qui prime. Hein. Moi, je... ça fait... Attends, alors attention, ça me fait extrêmement plaisir, bien évidemment, de vous voir et de voir les gens revenir et les gens qui viennent et qui se plaisent, qui passent un moment agréable, c'est toujours plaisant. Cependant, je militerai entre guillemets toujours pour que votre... votre IRL passe avant tout. Ah oui, c'est vrai, il y a ça. Ah, je l'ai pris sur Steam, donc forcément sur Steam il y a les trucs. Ah oui, c'est vrai, il y a Rammstein maintenant. Allez, bébé. Alors, je suis très très mauvais en machiniste, hein, mais... Hop, 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 hop. Par contre, le tank, il va se faire artège là. Après, je suis très mauvais, mais là, je me considère comme extrêmement mauvais au jeu. Voilà, ils viennent voir moi. Après, voilà, les autres, ils sont en train de comboter leurs potes. Ah! PP. Ah! Ah, laissez-moi dans un coin, par pitié, laissez-moi dans un coin. Mais casse-toi, mais cassez-vous! La LB, s'il vous plaît. Allez, bim! Pan! Merci! Oui, merci, c'est sympa! Alors. Tiens, le premier heal qui me vient à la tronche. Izu. Alors, ouais, le donjon niveau 50, j'ai un peu la flemme. Les 23h38.
Ça me saoule un peu la bite, j'avoue. Alors du coup, la haine d'une mère, voilà. Dravania. Dravaniania. Ah, je fais toujours des blagues de merde, par contre, ça change pas. Oh, j'aimerais tellement qu'il y ait une petite pièce qui serve de bureau, mais genre un petit truc dans l'appart, là, genre qui fasse, je sais pas, 6 mètres carrés, juste pour mettre un bureau. Histoire que ça soit vraiment un full bureau, ça serait tellement bien. Comment je fais pour monter? Bah, je sais comment pour monter. C'est à l'intérieur? Ah, c'est à l'intérieur. Oui, oui, oui. De monter. Est-ce ici? Ah oui, voilà. Bonjour. Ah, Naruhoto. Le visage de ses compagnons mais inconnu. Ils vont me prouver leur bonne foi. T'inquiète, t'inquiète. Ils vont le faire. Donc maintenant, c'est vous qui devez aller chercher les fleurs. Oh, sérieux, il faut que j'aille chercher des fleurs aussi, mais je croyais que c'était que moi j'avais déjà prouvé ma bonne foi. Et bien sûr, eux, ils vont pas bouger leur cul, hein. Bordel, là, c'est toujours à faire des missions FedEx, sa mère. Je sais que je pourrais sauter, mais j'ai pas envie d'avoir un PV. Oh, c'est loin. J'en ai marre de cette musique. Il me faut d'autres montures, en vrai. Pour avoir des musiques différentes, parce que là, JPP. Allez, mission... Alors, t'es sélectionné. Tac, je ferai pas l'épopée parce que j'ai la flemme. Tout simplement. J'ai pas envie de me faire chier. Oh, ceinture de plaque. Accepté. Normalement, vu que je suis niveau 65, je devrais avoir un fucking nouveau... Enfin, je devrais avoir mon set de classe, en fait. Et ça, c'est beau. Le set de classe trop stylé, où je suis vraiment full edgy et je vais le garder longtemps. Ça se trouve c'est sur le gros rocher. Du coup, ça sert à rien que je vienne là. Ah non. Si. Si. J'aurais dû faire le dernier truc du combo, mais c'est pas grave. Hey. Hey. Ce que j'adore dans le Chevalier Noir, c'est les la lourdeur. En fait, tu sens que l'arme elle est lourde, en fait. Je crois que le mec il est en mode. C'est le mec il est sorti de Monster Hunter en fait. Tu le sens qu'il galère de ouf avec son arme à la soulever, il est en mode. Le mec c'est Guts, mais en moins fort. Pour ceux qui connaissent pas Berserk, lisez Berserk, mangez-en, c'est trop bien. Faut que je continue d'ailleurs Berserk. Oui, parce que j'ai pas fini.
Ah. Oh bordel. La fatigance. Tiens. Cadeau. Ok. Ok. Ouais, c'est vrai qu'il y a une zone ici. Piou piou des. J'aime bien parce que les dragons ils sont vraiment. Ils sont pas sales mais ils sont. C'est des dragons quoi. Bonjour dragon mourante. Pourquoi t'es mourante? Tiens, sans moi ça, tu te sentiras mieux. Tiens, c'est de la bonne. Oh, c'est mignon. Ah. L'histoire des chevaliers noirs est plutôt cool hein, quand même. Et là elle la mange. L'endoulet. Ah si, sinon alors c'est Yep. Ah, j'ai pas lu mon bien-aimé quoi? Oh. OK. Ah, Noïs. Quoi, ce pire? Putain, l'épée, elle est tellement classe. Je suis edgy, hein, laissez-moi. Par pitié. C'est l'insouciance de la jeunesse. Il suffit, ça c'est le roi d'Hyrule en vrai le dragon. Mon petit. Non bah allez, elle a compris et tout. Non mais c'est bon, je suis juste un dragon, tout va bien. Pouette, 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 pouette. Et là, D'accord, ok, ça va, ça va. Ah, il faut que je valide. C'est la validation. Peut-être que je ferai... Peut-être que bientôt, si j'arrive à faire fonctionner... comment ça s'appelle ? Si j'arrive à faire fonctionner Fire Emblem Three Houses correctement en stream, il y a moins que je le fasse. Hein. Peut-être. Peut-être un jour, je ne sais pas. Alors. Et merci à toi pour la joue, Niemi. Hop là.
Alors, voyons voir. Ça ne change rien. Ah, encore des... Oh, bordel. Bah ouais. Oh. Istrid de Collignon. Quoi? Istrid de Collignon, ouais. Oh putain, l'endoulet de Collignon. Misérable apostat. Héroïque Deus Vult. Repentissez-vous de vos péchés, Satan. Ah, bon app Noémie. Des bisous. Bah là, il me reste des roulettes 50, 60, 70. Donc si tu veux, enfin, je peux détag et on tag ensemble. Ah oui. Toi, je t'aime pas, toi. Ah, avec plaisir. Un procès par combat. Bah, vas-y. Ouais, va manger un truc. Hein. Y'a aucune embrouille. T'inquiète, prends ton temps. Ah, quoique, oui, j'aimerais pas me coucher à 3h du matin. Enfin, quoique, même si je le fais tout le temps, en vrai. Hein. Alors, Nox. Oups. Alors. Refuser de combattre et je fais brûler cette taverne avec tous les hommes, femmes et enfants qui s'y trouvent. Ah, mais t'inquiète, je vais me taper. Ah, oh, t'inquiète, je vais te démonter. Parce que c'est moi qui vais me battre, hein, de toute façon, c'est garanti. Oh! Oh merde, c'est sa mère! Ouais, si c'est une hache, elle est jolie. J'aurais dû te faire couper la langue, connasse. Ah, c'est pour ça la haine d'une mère. Oh, c'est bon, calme-toi, putain. Ouais, Frey, il a donné sa vie, mais il l'a fait consciemment. Eh oh, oh, oh. Sidurgu, là, c'est comme ça que tu protèges l'enfant que t'as juré de protéger? En lui gueulant dessus? Tu crois pas qu'elle a assez subi de trauma comme ça? C'est moi qui vais te planter mon épée dans la gorge. Ça suffit? C'est quoi ça? Drainage abyssal. Une attaque magique neutre sur la cible et les ennemis autour. Ah, c'est bien ça! Là, je veux bien. Gimme that. Où est-ce que je vais le mettre par contre sur la barre des sorts? Il n'y a plus de place. Ah, la gueule qu'il a quand il fait ça. Ah, ah, JPP. Ah, j'en peux plus de sa gueule de con. Ah, merde. S'il te plaît, Lendoulet, arrête d'avoir une gueule de con. Par pitié. Alors, c'est quoi? Ça, c'est... ça, c'est gna gna gna. Aoe, aoe. Aoe, de l'aoe partout. Ah oh putain, je mets les AOE en haut et les attaques normalement ici en bas là. Les attaques monocibles en bas. Bordel. Ouais, t'inquiète. J'ai pas assez de place. Faudrait que je change un.
Oui, blablabla. Faudrait que je change un skill de place. Qu'est-ce qui serait bien pour un buff? Ce serait ça, cette touche-là. Cette touche-là, c'est déjà pour le sprint. Cette touche-là, non, ça c'est le taunt. Ça c'est déjà les interrupts. C'est la OE, c'est ça. Où est-ce que je peux mettre ce putain de truc? Où est-ce que je peux mettre ça surtout? L'arme de sang. Je peux faire ça. Mais ça c'est chiant, j'aime pas avoir un... J'aime pas avoir un buff à ce moment-là. Je vais le mettre là. C'est combien de temps déjà? 60 secondes de recharge? Ouais, c'est un CD quoi. Non, tac tac tac. Non. C'est quoi? Réduit de 30% les dégâts subis. Il doit être. C'est quoi cette portée de bras? Qu'est-ce sur vous une barrière annulant la plupart des projections et attractions? Ouais, bah on va faire comme ça. Hein. Faut que je me réhabitue à l'utiliser comme ça. Oh, c'est tellement classe, bordel. JPP. C'est quoi la vérité de la histoire de la bouche des mugs? Sérieux là? Ah d'ailleurs, il va falloir que je me désinscrive. Je vais aller à Noyami après. Donc ouais, je mets un peu entre guillemets en pause le voilà. Pas vraiment en pause, mais. Alors, gna, ouais. Bah là, par contre, j'ai pas forcément envie de parler au PNJ parce que je m'en bats un peu les nudes. Je suis attiré par le. À ce point, par les ténèbres. Une chose qu'on doit discuter, coup putain, de discuter avec des mugs. Bordel. Tu crois qu'elle va parler après que tu l'as engueulé comme ça? Putain, mais t'es débile en fait. Il faut pas te laisser protéger une enfant. Hein. Alors, le résumé quand même, c'est que juste avant. Sérieux? Waouh, le jeune. La jeunesse. Bah, du coup, je te souhaite un bon anniversaire. En premier, peut-être. J'en ai marre de cette comédie. Ah, merci. Tu me demandes de parler mais tu n'écoutes jamais. Tu me dis que tu fais tout ça pour moi mais tu n'as que ces histoires de ténèbres et d'abysses à la bouche. C'est ça. Je vais être reconnaissante alors que tu reviens couvert de sang et lorsque je te soigne pour que tu puisses recommencer. C'est ça. Tu me traînes à l'autre bout du monde pour découvrir un nouveau moyen de te faire du mal et tu me dis que c'est pour mon bien. Ah, nice. Tout le monde applaudit la personne la plus sensée de ce jeu. Woo! Bien sûr que c'est pour ton bien. Oh, le syndrome du sauveur. Putain, on dirait un mec de Twitter. Au secours, c'est un nice guy. Oh, oh comment elle est en train de le bâcher. Ah putain, like et retweet. Vite. Tu le connais par cœur à force de me la répéter. La prochaine que tu protégeras sera l'appréciée. Ce n'est pas ce que tu crois. Oh putain. Pourquoi tu dis rien? Bah parce que t'es en train d'agir comme un putain de nice guy syndrome du sauveur. Tu es un gros con. T'as une armure stylée mais tu es un gros con. Les questions de tirer parti du pouvoir de vos émotions, quelque chose comme ça. Une légende ancienne appelée Mog. Elle adorait danser et... Ah, la danse, oui, parce que ça te donne la honte quand t'es nul en danse.
entièrement raison lorsqu'il vous a dit de vous laisser gagner par la flamme. Vous n'avez tout simplement pas compris la signification de ses paroles. Waouh! Pour commencer, allez donc me cueillir 4 pomponnettes chacun. Oh putain, ça va être la danse en fait, c'est la danse des chevaliers noirs. Ah putain, heureusement que dans ce jeu, notre perso ne peut rien dire. Parce que si je pouvais ouvrir ma gueule, ah, il y a des têtes, elles auraient volé. Mais d'une force. Ah, j'aurais buté tout le monde. Les gens sont insupportables dans les RPG Jap, c'est un truc de dingue. Ça me rend ouf. C'est, les gens sont réellement insupportables. C'est assez vénère quand même. Ils sont insupportables. Pouette, 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 pouette. Voilà, je prépare. Bim, bon anniversaire Noyami, à minuit. Minuit pile, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux pas test. Personne ne peut test un streamer qui prépare sa phrase depuis 5 minutes. Bon anniversaire, bah du coup, la jeunesse, 23 ans, ça fait plaisir. Ah bah tiens, c'est quoi, je vais même te le dire. Alors attends, Chotomate Kudasai. Voilà, tiens, ha, bon anniversaire, ha. Voilà, je mets carrément la caméra, comme ça je peux te le dire, genre, les yeux dans les yeux. Les yeux dans les yeux, bébé, bon anniversaire. moi ça me fait toujours plaisir de souhaiter l'anniversaire de quelqu'un. Hein. Je pleure de ma connerie. D'ailleurs, tu me dis quand t'es ready et dispo pour faire une roulette. Une petite roulette. Une fois que t'as fini de manger, quoi, tranquille. Y'a pas le feu, tout ça. Pourquoi j'ai pas mis ma cam avant? Parce que, bah en fait, j'ai passé une journée cool, mais je me sentais pas très très bien, donc... Tu sais, des fois, t'as pas forcément envie de montrer ta tronche ou... Puis, en fait, ce t-shirt, j'ai remarqué que ce t-shirt en live, comme la luminosité dans ma piole est pas ouf, en fait, j'ai presque l'impression d'être à poil, en fait, avec ce t-shirt. Quand je regarde la webcam, j'ai l'impression que j'ai les épaules nues et ça me dérange fortement. Après, je sais qu'il y a des Magikarp dessus, donc ça va. Mais, mais sinon, c'est débile. Un t-shirt Magikarp Okusai. Et ça, c'est beau, putain. Aïe. Hi-ha. Aïe. Bon, il est où le mug Kupo sa mère là? Bon, là maintenant, je vais le laisser, hein, le truc, mais. Comment ça descendre vers l'avant-pays? Mais non! C'est par là qu'il faut que j'aille, merde. De toute façon, déjà qu'il n'y a pas énormément de gens en vrai sur le live, donc je me dis, bon, mettre la caméra maintenant. Ouais, j'étais pomponnette. Abattre des tuliens. Genre l'épreuve. En fait, le mec, il est juste en train de me faire ses tâches ménagères. Bordel de mug, ils m'ont déjà fait le coup une fois, donc me le faire une deuxième fois, ça serait pas étonnant. Ouah, mais c'est loin, putain. Mais pourquoi ils me font aller là-bas, c'est con.
Ah, c'est chiant. Faut que j'aille à Babelwed. J'aime pas ça. Donc, je regarde, faut que je découvre la map. Ça marche pas. Hey, nous sommes le 23. Normalement, je reçois mes decks commandeurs Magic. Ah, il y a un vent éthéré. S'il te plaît, Gimmy. Ah, ça a l'air d'être un chevalier. Ouais, c'est ça, un chevalier noir, ça. Je peux pas m'envoler. J'aime bien l'effet. J'aime bien l'effet. Quoi? Ouais, je suis un qui coule à l'edgy, donc j'assume. Moi. Il faut que j'aille là-bas, bordel. Barré loin. Ou pas. C'est tout seul. Oups. Qu'est-ce qu'il fout là ce con? Putain, y a pas, y avait pas un combat à faire après? On va danser. Rabbi Jacob, il va danser. Hey yo! Pauvre idiot. Il s'occupe à arracher les herbes et tuer des monstres, nous avons kidnappé Riel. Ouais, ça c'est juste pour pour faire monter la haine ou un truc comme ça. Lui il va être vénère. Satanée petite fiante poilue. Petite fiante. Poilée de bourrin, tu sais. Je réduirai votre village en cendres. Direct le mec. Oh, je vais te bouffer de la sauce barbecue. Ah, on va manger du mug ce soir. Non mais c'est juste pour je pense que c'est juste pour vénère les deux là et puis et tu vois, vous voyez, vous avez été énervé et tout. Vous avez eu peur de perdre quelqu'un qui vous est cher, blablabla, bla, bla, c'est ça qui est...
Hop hop hop. Eh, d'où il s'est il le con là? Je vais lui mettre un chassé. Bitch. Et wait 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 wait. J'ai plus de DPS que l'autre con. Eh Noyami, il faut me dire pour la roulette. J'ai pas resté en live jusqu'à 3h du mat. Ah, il y en a encore, bordel. Non, je voulais la. Eh, hey, l'ermite, merci beaucoup pour le host, des bisous. Wow, chassé dans ta bouche le mug, s'il te plaît. Calme-toi instantanément. Si. Ça donne envie de rejouer à Monster Hunter, ça. Je suis chiné. Coucou. Ah, je vais le faire à Mijirachi. Ouais, la musique des mugs. Elle est insupportable. Oh mais putain! Butez le barde! Bah ma foi, ça peut aller toi. Oh, ils m'ont proposé un appart, un 3 pièces. Mais les visites, c'est que mardi. Hey. Allez, il y a un boss, c'est ça? Ah, mission accomplie, quand même. On va massacrer des mugs. Attendez. Oh merde, tu t'es cassé le dos. Putain, bah qu'est-ce que tu fais là? Va te... Appelle une ambulance, je sais pas. Ah, c'est un test ça. Pourquoi avez-vous besoin d'elle? Ah, à peine pendant 3 heures, j'avoue, c'est pas. Eh bien, la bonne nuit, l'ermite. Merci beaucoup d'être passé, en tout cas, de faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Bonne nuit, et soigne ton dos. Des bisous, et ménage-toi quand même, la santé, c'est important. Je suis pas forcément la meilleure personne pour dire ça, mais bon. Pas grave. Qu'à migrer, ça ira mieux. Ah, I can relate. T'as besoin de danser. Oh, putain. Oh merde. Heureusement qu'ils l'ont pas fait en vocal. Hein. Oh merde. Oh putain, merde, des mugs qui dansent quoi. Oh quel enfer, quelle angoisse, MG. Quoi? Ah non, attends, votre amour pour elle, la meuf c'est une gamine, wesh, elle a 14 ans, calmez-vous. Je sais qu'on est dans un jeu japonais, mais faites gaffe un peu, il y a des occidentaux qui jouent aussi.
Ah oui, c'était un énorme cliché, j'en suis désolé. Mais bon, quand même, là, c'est flagrant. Ah! Oh, la tronche qu'elle fait! Ah, ce que t'as sur le cœur. Alors, je sais que Frey et toi avez pris mes défenses à la volonté de votre maître, car c'est ce qu'il aurait voulu. Tu as fait pour devenir plus fort qu'un jeu que tu as vu et tu as davantage de templiers. Oui. Tu les maudis à mi-voix. Et chaque opportunité de les tuer, alors ne me dis pas que tu faisais tout ça pour moi. Ah, voilà. Ah voilà, il devient honnête. Je vais combattre pour toi dans ce procès, mais après ça, la décision, je respecterai. Ah bah quand même. Les mugs qui sont en train de faire les cons derrière. Ah là là là. Est-ce que je vais gagner le stuff de DK? Quelqu'un peut s'éveiller une force en vous, mais... Allez, Donc, du coup, je vais peut-être faire ça. Alors, tac, invité dans l'équipe, hein, on va voir. Alors, le chevalier bourré. C'est qui elle? D'accord. Hop là. T'as le bruit de l'armure. Sponk. Quand les chevaliers que nous avons épargnés sont revenus, ils nous ont donné le choix de l'ordre dans lequel nous voulions mourir. Ils ont dit que c'était leur façon de tourner la faveur. Ok. Pendant que s'agenouillaient, ils m'ont dit de détourner le regard, mais je n'ai pas pu. Toi est venu, je me suis incliné, près des cieux dans la mort, j'ai fermé les yeux. J'ai ouvert un homme vêtu de noir, se tenait devant moi, me tendant la main. Défend les bons, punis les mauvais. Mais il n'y a personne d'autre. Ta sœur, je suis là aussi, wesh. Je connais des gens. C'est la dernière bataille, nous le finissons-en. Oh. It's the final countdown. Ah oui, coffre d'équipement du chaos et tranchage habillage. C'est une attaque physique sur la cible. Restaure vos PM. Mais putain, j'ai plus de place. Et Roland Valto, ça va et toi? Je suis prêt si tu veux roulette. Ah voilà, la roulette. Alors je crois que je... Bah, du coup ouais, je t'ai invité. J'imagine que tu es... Qu'on est dans le même serveur peut-être. Ouais, je suis même pas sûr que ça soit obligatoire. Donc participer. Participer. Par contre non, participer comme ça.
j'ai foutu la banane à un théoricien du complot, je suis content. Ah, nice! Alors attention, les théoriciens du complot sont notamment utiles pour une chose notamment, c'est pour ton esprit critique. Parce qu'en fait, il y a un truc, c'est que des fois, les théoristes du complot disent pas forcément de la merde, mais des fois, ils disent beaucoup de merde aussi. Donc oui, mais les théoriciens du complot, après, voilà. Alors, mon ardoise. Je veux dire, après, tu vois, il y a certaines personnes qui vont dire des trucs pas cons et qui sont vrais, et il y a des gens qui vont les traiter de théoriciens du complot pour un terme un peu sympa pour dire qu'ils disent de la merde. Pour pour décrédibiliser leurs propos. Merci moi-même, je me ferai des bisous plus tard. Hors caméra, tout ça. Il y en a qui ont raison, malheureusement, ils sont... C'est ça, ils sont suicidés à 3 balles, c'est ça. Ah, je peux pas m'envoler, putain. Ah, du coup, Noyami, est-ce que tu as... On a groupé en quoi? On a groupé en double DPS, c'est ça? Délai 13 minutes. Oh. 13 minutes, je pense qu'on attaque en double DPS. Alors, tu sais quoi? Je vais faire ça. Et si j'ai fini ma quête après si j'ai fini ma quête avant qu'on tag, j'irai tag en Gunbreaker. J'ai des niveaux à prendre sur Gunbreaker, c'est peut-être le perso avec lequel j'ai le moins de niveau parmi tous ceux que j'ai envie de jouer. Ah super, ça va être sur un petit rocher, ils vont me faire une Mufasa. Ils vont me faire une Simbaskar en fait. Ouais, il est joli le cheval. Après du coup c'est plus un théoricien du complot. Parce qu'en fait maintenant les théoriciens du complot c'est plus un terme péjoratif en fait. C'est genre quand t'es un théoricien du complot, c'est que genre tu dis que tout le monde nous cache que la Terre est plate. Enfin. Ou que l'homme a jamais marché sur la Lune et tout a été fait en studio et blablabla, tu vois. C'est le genre de truc les théoriciens du complot maintenant. J'ai beau aimer ça, j'ai mes limites à la connerie. Ah bah oui, après. Yeah, c'est pas là. Très bien. Putain, c'est loin. On est en avance, enfin, c'est pas comme si j'ai mieux à faire ailleurs. C'est ça. Ah, à tous les coups, je pourrais pas. Possible de commencer une bataille de quête en temps enregistrement, mon cul. Alors, Noyami, ce que je fais, c'est que je fais ma quête. Et après, je prends mon Gunbreaker. Bon, non, je vais prendre le Gunbreaker tout de suite. Alors, attends. Le Gunbreaker. Et du coup, on va se désenregistrer. Voilà. Allez.
Je fais plus jeu Gunbreaker, mais bon, je suis tank, donc je m'en fous de mes dégâts. Je fais des AOE. Non mais tu sais les mecs qui disent qu'ils s'appuient sur la Bible, ce que tu fais c'est que tu leur dis bah écoute selon mon livre sacré Harry Potter et à l'école des sorciers, les sorciers existent. Ils sont plutôt sympas. Les gens sont tellement débiles, c'est affolant quoi. Putain, 5 minutes quand même pour attendre? Ah les mecs! Ah là là. Dieu a dit ça, et eh bien moi je dis Charles Darwin a dit ça. Donc si je continue ton raisonnement, j'ai pas faux. Bah c'est ça. En fait, chacun va trouver des phrases là où il veut. Alors moi, si je regarde le script de Star Wars épisode 4, je vois que Yoda, il a dit... Legit. Et puis le gamin Rachid dans Pokémon Rouge a dit je vais te tailler un short. Donc à partir de là, c'est vrai. Je suis désolé, c'est écrit. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans mon jeu. Alors oui, alors pour les théories, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans mon livre. Voilà, on se retrouve avec une sorte de Soral Eco Plus. De toute façon, Soral est déjà Eco Plus en lui-même, donc ça fait un Eco Plus d'Eco Plus. Donc est-ce que ça s'annule? On ne sait pas trop, on ne saura peut-être jamais. Mais ouais, est-ce que double Eco Plus, ça s'annule? C'est une question. Non mais les gens sont un peu cons, hein. Après le problème qu'il y a, c'est qu'il y a certains religieux en fait qui. Alors pour ma part, je suis agnostique, hein, donc je ne suis pas croyant jusqu'à ce qu'on me foute un que si en gros s'il y a une apparition de Dieu qui arrive devant moi et qui me dit. Bon, maintenant tu vas croire en moi un peu, tu vois. Bon, je sais pas. Là, je vais dire, ok, franchement, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais en attendant, non. Donc à partir de là, voilà. Attention, on voit pas les étoiles lors d'une photo extérieure de l'ISS. C'est juste que le temps d'exposition à la lumière, l'objectif n'est pas assez long, ça envoie les étoiles. D'accord. C'est quelle instance ça? Oh oui, d'accord. Ah, jouer avec Noyami, ça fait plaisir. Ça fait zizir. Putain, il y a Ace. Non mais c'est Ace. C'est Ace de One Piece. Bon, sauf qu'il a pas les cheveux, voilà. Ah. Ah putain, on se fait chier, j'ai pas tous mes sorts. Ah, je me souviens plus de comment on joue. Ah, si, voilà, d'accord. Oh, et Bliette.
J'aime bien le pistolet sabreur, je trouve ça cool comme truc. Franchement, une épée flingue, j'en veux une. J'en veux plein. J'ai un peu un stuff de merde, donc je vais éviter de prendre plusieurs groupes en même temps. Mais pourquoi oi Billette? Pourquoi oi Billette? Billette! Bon. Ah mais ça envoie en plus, ça envoie du gras hein, Personne prend les pierres? Faut prendre les pierres. Je crois qu'il faut prendre les pierres. Allez, pan. Pan, hop là, petit A. Ah, le Luffy, d'accord, oui. Enfin, c'est Ace, mais Oh, en parlant de ça, waouh. En parlant de ça, au secours, je me la pète, je m'en fous. Hop là, nouveau loot. Alors, je vous le montrerai juste après, voir... Ha. La fille garce de C21, je m'en bats les couilles. J'aime bien ce perso. Je la trouve trop cool, elle a un design trop stylé. Alors, elle a des talons peut-être un peu trop grands, mais c'est pas grave. Ah bah là, j'ai tous les bouts de Figars. J'ai bout, j'ai gros bout, super bout, et j'ai C21. Donc je suis yimbe. Ouais, bah quand je vais pas bien, j'achète des trucs. Ce n'est que les talons. Bah en fait si tu regardes alors fais attention hein, mais une safe search. Mais si tu cherches le... Alors j'ai jamais fait ce boss là en tank. En gros je l'aurais plus vu avec des chaussures un peu à la... Comment ça s'appelle? Bah où est-ce qu'il est l'autre? Je l'aurais plus vu... J'aurais plus vu avec des chaussures style C18 en fait. Avec des espèces de bottes ou des trucs comme ça plutôt qu'avec des talons. Je crois qu'il me montre une figurine et ivre, je cherche une gueule P18. C'est ça, c'est pour ça que je t'ai dit fais une safe search parce que les gens ils aiment bien C21 aussi. Mais pas pareil. C'est vrai qu'après il va y avoir le... Encore la queue? Qu'est-ce qui brille là? Je veux juste briller, je veux juste briller. Du arbre tout terrain, c'est du arbre tout terrain.
J'aime bien Pistol Sabreur, je trouve que les stuffs sont particulièrement cool. Oh, je crois que ton innocence tu l'as déjà perdu, va. Ah, c'était short, entre guillemets. C'est quoi ça? Bague de protecteur des héros. Paré. C'est quoi? Où est-ce qu'on voit l'high level? Avec tous les jeux que t'as. Bah, surtout que je te vois souvent jouer à des jeux genre Verdun, des trucs comme ça. Franchement, je regarde un youtubeur en ce moment qui fait beaucoup de Art of Iron 4 et je trouve ce jeu particulièrement délicieux. Et comme je l'ai, merci Humble Bundle, il y a moyen de faire un peu de Art of Iron histoire de s'amuser un peu et de refaire la Seconde Guerre mondiale en faisant en sorte que la France finisse par envahir l'Allemagne et ça serait assez marrant, je pense. Je pense que ça peut être marrant. Je pourrais apprendre le jeu, mais sinon, ouais, pourquoi pas. Ah, j'aime bien le piste sabreur en vrai. J'aimerais bien jouer DPS en fait. Sinon, c'est chier. Mais j'avoue, c'est trop les trucs comme ça en fait. Genre tu joues le Paraguay, t'essaies d'envahir le monde et tout. Quoi? Qu'est-ce que je vais foutre avec le Paraguay? Je sais pas, pourquoi pas. Genre tu prends le Luxembourg et t'envahis l'Allemagne ou tu sais, le truc pas possible. Par contre, apparemment, l'intelligence artificielle de la France est dégueulasse. Apparemment, hein, c'est genre la France, tu le prends un, tu prends une région, ça y est, capitule quoi. Tu fais wesh. Je galère déjà avec l'URSS, mais je me marre bien dans le jeu. J'avoue, le jeu a l'air marrant en fait. Ouais, c'est vrai que... Ah, j'aurais la Pologne ou j'aurais le Japon. J'aurais le Japon et j'envahirais le monde. Je reprendrais la Corée et... puis voilà. Ça a l'air marrant, mais le jeu a l'air marrant en fait, en soi. J'étais un peu dégoûté de l'avoir eu dans Humble Bundle, mais finalement, je me dis que ça peut être sympa.
Ouais, il y a plein de modes, j'ai vu. Bah, le youtubeur en question, en fait, ce qu'il faisait par exemple, c'est qu'il prenait un tout petit pays, genre le Danemark, et il mettait le mode pour que une de ses unités soit invincible. Et du coup, il arrivait à conquérir le monde avec juste une unité et tout, c'était assez marrant. Oh merde, non! Oh quel enfer! Oh mais quel enfer ce boss! Oh là là! C'est une princesse Pampa, bah forcément elle a des boobs. Ça a pas de sens, bordel. Ça, c'est un bon heal, ça. Et voilà. Ça sent le reste du mage rouge. Alors pourquoi pourquoi est-ce qu'on s'est fait one shot là? Je crois qu'on l'a tapé assez pour je crois qu'on l'avait tapé assez pour pas qu'elle ait à compter ses aiguilles à la con là. The fuck? Eh, waouh, on est loin! Pourquoi est-ce qu'on est aussi loin, sa mère? Normalement, faut que quelqu'un tape. Enfin, faut qu'on tape le mob assez pour qu'elle perde le compte de ses aiguilles, non? Du coup, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on a galéré nos races et qu'on s'est fait buter. Je comprends pas là. Également. Tu prends la France, mais tu étends la Maginot et tu attends les Allemands s'écraser dessus. Eh ben, pas vraiment. En fait, sur une des vidéos du gars, en fait, il essaye de. Enfin, vu qu'en fait, les Français se font tout le temps prendre la ligne Maginot, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait en sorte que toute la France soit recouverte de bunkers rang 10, donc les meilleurs, et la France se fait quand même envahir. C'est un truc de dingue, hein. Bon bah j'espère que cette fois le Ace va mettre des patates assez importantes pour que voilà. D'accord, ouais mais bon, si ça respecte trop, en fait la France ça sert à rien en soi. Mais l'autre je peux pas le tanker en fait. Et yo, Lennox, qu'en veux-tu? Un re plutôt du coup. Par contre, putain, mais barre-toi le heal!
quand même. Elle est juste la taper en mono cible en fait quand. Alors, la paire de boucles d'oreilles passée, ça cupi, ça passé, ça cupi. Ouais. Alors, service après patate. Pourquoi après patate? Manger des patates? J'aime bien Pisto Sabreur. Enfin, Gun Breaker. Mais il faut que je me fasse une liste en fait de jeux et que je les fasse. J'ai par exemple Nier Automata, je l'ai toujours pas fait. Alors que j'achète des figurines de Toubi. Parce que Toubi elle est trop stylée. Ah d'accord. En effet, mais bon, c'est un moine, donc normal qu'il mette des patates. Aïe. Ah, les momies du temple. Incroyable. Ah, c'est vrai. C'est un espèce de truc comme un des boss de WoW, là. Où faut pas se faire attraper par les momies ou je sais pas quoi. Faut se faire attraper par les murs, sinon ça fait des momies... Bah oui, les figurines, bah oui. Mais franchement, si je peux avoir mon putain d'appart là. En fait, je me suis rendu compte que mon appart, si j'arrive à l'avoir, en fait, je pensais pas, mais ma maison, là où j'habite, c'est pas si grand que ça en fait. J'ai remarqué ça dernièrement. En fait, c'est pas si grand. C'est-à-dire que je pensais que ma piole faisait 20 mètres carrés, mais elle fait 14 mètres carrés. Et donc en fait j'ai remarqué, en fait le truc qu'il y a c'est que donc en gros si j'ai l'appart hein, c'est l'équivalent de deux fois ma chambre plus une fois le salon plus deux fois la chambre de ma fille. Pour un 3 pièces qui est très très correct. Non non non. Franchement ça va, hein. Les prix là ils sont corrects. Genre c'est quoi les prix? C'est là 63 mètres carrés, T3, 650 euros toutes charges comprises. En gros. Bah c'est... Bah tu te souviens de ce que j'avais posté sur le petit appart, le T2 là 39 mètres carrés ou 38 mètres carrés, 320 euros, un truc comme ça. Et Yoshin. Yo. Comment il va? Ah, j'ai faim, en fait j'ai pas assez mangé ce soir. Bra 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 fra. Bon. Ah oui d'accord oui. Piédestal magique. C'est pour ça qu'il fallait les pierres à la con. Hein. Là, j'ai appuyé sur la mauvaise touche. Fuck. Ah, faut appuyer sur le piédestal. Ah, je suis obligé de tout faire, wesh! C'est moi qui récupère les pierres de l'étoile. Alors, faut pas se faire attraper!
On va éloigner la caméra. Déjà quelqu'un qui s'est fait pécho. Quoi sur la feuille ce soir, on fait un deck mini. Ah bah non. Ah Chine, essaye de suivre un peu s'il te plaît. Ah, il faut s'éloigner quand il fait ces trucs. Hein. Ah, la transcendance. Ah, l'LB. Ah, limit break. Ah. Ah, la limite break. Ah, personne l'a fait. Non. Voilà. Pouette, pouette, pouette. Ah, tu t'achètes un jeu de société, d'accord. En plus, je suis un, quoi. Lifestyle, oh putain, le lifestyle quoi. Attention, ça va bruncher. C'est un boomer, nous sommes dans tes sauts. C'est vrai que. Ah, mais c'était cool. Ah, j'avoue, le lifestyle, tu vois. Alors que ça veut juste dire style de vie, hein, mais bon, c'est pas grave. Well, le lifestyle. Ah là 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 là, c'est tellement beau, un beau lifestyle. Comment ça, il met un gilet jaune sur sa bagnole à 30 000 balles, je comprends pas. Ah, les hipsters, d'accord, ok. Eh hey, Chine, balance des dons dans ce cas-là. Le mec il est plein aux as et il partage pas. Ce faux frère. Je suis tellement déçu. Je suis tellement triste. Alors. Juste que je quitte l'équipe. Paf. Parce que voilà. Comme ça, on va voir l'équipement qui coule lol. On pourrait être en mode je suis qui coule lol. Non, de l'argent. Je préfère avoir de l'argent et en faire ce que je veux. Tu es venu, sage décision. Allez, vas-y. Quel coup fourré t'as préparé encore? Oh, les deux chevaliers noirs qui protègent la gamine.
Ouais, c'est juste. Ah, elle est juste jalouse que sa fille ressemble plus à son mari, enfin au père qu'à la mère. Pas faux, mais je pourrais demander en contrepartie une rémunération pour la maintenance tech. Ah, ça va, j'ai réglé le problème semi tout seul hier. Non, j'avoue, tu m'as aidé. T'as essayé au moins de ton côté, ça c'est beau. Eh, vous évitez de parler pour moi, s'il vous plaît? Merci. Vous avez qu'à payer vos trucs en nature si vous voulez, mais laissez-moi en dehors de ça. J'ai tous les droits, mais ta sœur. Des sorts que t'as enseigné frais. Protège-nous et nous te protégerons. Ah d'accord, c'est une healeuse. C'est parce que c'est une petite fille, c'est ça, hein? Non, parce qu'apparemment c'est sa mère, donc c'est la mère de la gamine. La mère qui veut buter sa propre gamine, quoi. Ah non, c'est moi qui tank. Bonjour, c'est moi qui tank. C'est quoi ces chevaliers au point là? C'est. Hey! Hey! J'aimerais bien qu'on arrête de péter la gueule de la nature, ça m'arrangerait beaucoup. Quand il est chevronné, mais c'est ta sœur, ouais. Oh, mais je les prends tous, je m'en fous. Je vous prends tous. La l'ombre d'AOE. Ouais, parce qu'en fait c'est genre tu plantes ton épée dans le sol et ça fait de l'ombre qui sort machin. Non non, c'est juste c'est le premier sort d'AOE que t'apprends en chevalier noir. Faut d'abord taper le healer. Faut défoncer la gueule du healer. C'est... So, je t'ai chiné. Pardonne-moi d'avoir partagé la couche de ton ennemi. Aide-moi pour purifier mon âme de cette souillure. Mais je vais te casser ta gueule, mais en quoi va en fait? C'est ta mère, on s'en fout, on va défoncer ta mère. A l'aide! Voilà, voilà. Eh, mais j'ai plus mon sort ici, what the fuck? Ah non, j'ai déplacé celui-là. Meurs. Chiné. Un petit jeu tranquille, l'anguille. Les demeures de l'épouvante. Ça me dit quelque chose. Oh, le mec il est vénère. Espèce de hors de mon chemin. Non mais en fait c'est nous, on t'a buté en fait. Donc on t'a défoncé. Donc c'est pas, tu n'es pas en position d'exiger quoi que ce soit.
Oh putain, l'épée de ouf, moi j'aurais tellement peur. Nazet. La classe. Oh putain! C'est le mec qui fait en gros. Bon alors, comment est-ce que t'as envie de mourir? Je te décapite vite fait ou je te plante jusqu'à ce que tu te vides de ton sang? Mais tout ce que vous avez fait, toujours sa mère. C'est ça, une main genre. L'épée fait 40 kilos, je m'en bats les couilles! C'est Cloud en fait, le gars. C'est pas assez que je ne vous revoie plus jamais. Demande à la fille si elle a. Oh putain! Oh le regard! Mais moi, il y a un perso que j'épargne qui me fait ce regard. Je me retourne et je lui plante l'épée dans la gorge. Je sais pas. Tu fais genre. Nye, je vais te faire un petit coup en traître. Miam miam miam. Tu mets ta soeur, meurt, puis basta. Bah regardez-moi ce sourire là, ces yeux là. Je te poursuivrai jusqu'au bout du monde s'il le faut, tant qu'elle sera en vie, j'aurai pas le choix. Regardez-moi cette folle! Elle est complètement tarée! Je pense que c'est elle qui va prendre l'épée, elle va tuer sa propre mère. Et franchement, si elle le fait, je clap clap. Semble l'aimer tellement que tu ne l'as jamais aimé en tout cas. La conquérante. Fais pour te pardonner, hein, qu'une serre dans tes bras comme tu le faisais avant. Alors Anvalto, n'oublie pas une chose, c'est qu'une épée, c'est classe. Oh merde! Regardez-moi ce regard de folle! Elle va se faire couper la tête en direct! Regardez! Elle avait fait. Ah! En fait, non, je Ah, c'est bon ça. Ah, c'est bon ça. C'est le genre. C'est tellement stylé en vrai. J'aurais voulu le faire moi-même, mais bon, apparemment, c'est pour le scénarium, c'est lui qui devait le faire. Ouais, elle a toujours sa tête. La logique. Ouais, mais c'est. Shin, tu sais, nous sommes dans un jeu. Peggy 12. Ou Peggy 13. Enfin, je sais pas, un truc Peggy, pas 16 ni 18. Donc il peut pas y avoir des gerbes d'hémoglobine. J'ai envie de refaire ce jeu, mais en mode Doom. Oh putain, les deux. Franchement, récupère son bâton, tu t'en bats les couilles. Mais loot est le cadavre! C'est quoi ces gens qui laissent des stuffs de ouf comme ça par terre? Mais non, avec des épées. Dans Doom. Comment dire? Dans le prochain Doom, dans Doom Eternal, ou Doom Eternal, je sais plus, Eternal. Tu auras la bonne grosse lame sur le bras. Je vais tellement kiffer quand je vais le faire. Je pourrais le faire en ultra en plus vu mon PC. Hein? Ah vous allez avoir droit du Doom, hein. Je m'en bats. Ah j'ai tellement hâte qu'il sorte. Je me suis tellement calé une barre sur le Doom de 2016 que Doom Eternal c'est bon quoi, c'est être le feu. Ultimate Doom. Eh bah, bon Doom alors.
Alors oui, je sais que t'as que ça en tête vu que t'arrêtes pas de parler de la VR, mais j'en sais rien, renseigne-toi. Je ne sais absolument pas. Je ne suis absolument pas au courant des jeux disponibles en VR. Ils sont trop puissants, seulement j'avais looté le bâton de la prêtresse, c'est ça. Genre, oh mince! C'était si simple, bah oui. Colère, cette rage, ni brûlant désir de protéger ce qu'on a de plus cher. Oh, moi je suis bien. Hein. D'ailleurs, Shin, est-ce que ça t'intéresse de faire des parties de commandeur avec les nouveaux packs? Parce que je vais recevoir normalement demain les 4 packs commandeur 2019. Donc, je me disais que jouer avec sans les. Enfin, sans les déglinguer, ça peut être intéressant. Je sais pas, je propose. Giga, mais ça viendrait à laisser ses habitants et merci pour en place, n'est pas ce que je veux. Ok. Qu'est-ce sur la tienne? Pour qui te battras-tu? Bah déjà je me bats pour moi, c'est déjà pas mal. Moi-même. Je suis tout seul. Aimez-moi s'il vous plaît, je me sens seul. Je vais pas me battre pour la planète, je vais me battre pour mes amis, puis voilà. Je ne joue qu'au gros menteur. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Quoi, qu'est-ce qu'il y a, Chine? Le pouvoir de l'amitié! Yao classique. Oh, merde. Tranchage, habillage. Qu'est-ce que c'est que ce nom de technique à la zob, quoi? Excuse bidon d'huile, what? Ah, la gueule de con! Ah, ah, attendez. Ah, Chotobaté. Voilà, j'ai fait une screen cap parce qu'il a tellement une gueule de con comme ça. J'arrive même pas à le faire tellement c'est con. Vous venez de parvenir à une étape dans le trame de quête du Chevalier Noir. Vous pouvez poursuivre cette histoire si vous remplacez les conditions suivantes. Enregistrez le code d'extension Stormblood. Ah oui, d'accord, c'est Stormblood maintenant. Ok. Ah là là. Alors, tranchage d'habillage, ok. Et c'est surtout un truc très important. La transmog. Transmogification. Vite, il faut aller dans sa propre chambre, parce que oui, j'ai une chambre. Et bien sûr, bientôt, nous ferons de la menuiserie, hein, comme... comment ça s'appelle? Guide des aventuriers. C'est comme... comment ça s'appelle? Comme Superflip et la menuiserie. Et nous irons faire ça. Oh, putain, c'est où? Oh mais ah d'accord, oui carrément c'est un stuff Wa 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 mais qu'est-ce que c'est que ce stuff? Wa what the fuck. Ah merde, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt, c'est quoi ce stuff? C'est quoi ce stuff qui me donne 15 milliards de bonus en plus? Wait. Vite, give me that stuff. Alors attendez, je vais comparer.
Ouais, ça double juste mes stats en fait. Ouais, force 93 au lieu de 52. Ok. Ok, ta sœur. Ouais, non mais très bien. Très bien, je suis pour. Je suis pour. Hein? Oh putain, cette classe à Dallas. Ah là là. Ah, il serait pas tout beau quand même notre Edgelord national. Non, mais moi je croyais que c'était juste un truc cosmétique, mais en fait non, c'est en mode tiens du stuff. Il te jette du stuff à la gueule. Alors oui, c'est le stuff de l'autre con, mais il est trop stylé ce stuff. J'ai mon inventaire qui est plein, c'est pas grave. Mais calmez-vous avec les stuffs. Ah mais ça veut dire parce que j'avais le machiniste aussi. Je l'ai pas ouvert l'équipement du machiniste, du machiniste. Alors attendez, je vais faire pareil. Ah c'est de l'équipement vert, c'est de la merde en barquette. Alors attendez. Non mais arrête avec ce truc, on s'en fout. Alors il y a quoi? J'ai raté quoi? J'ai un tabard, ok. Il y avait des jambières et bottes. Tiens, jambières et des bottes. Je sais pas où je vais les mettre, les bottes. J'ai plus de place dans mon inventaire à l'aide. Et du coup, si je fais équipement recommandé. Hey! Comment ça, non? Ah, c'est quoi? Ouais, c'est un stuff basique quoi. M'en fous, on a ça. M'en fous, on a les kikoulol de service. Je m'en bats les nuts. Bon, bref. Là, je vais y rester comme ça, hein, je m'en fous. C'est juste trop classe. Ah, il est 1h12. En fait, on va s'arrêter là. L'aile. Il est 1h12. Moi, j'étais parti pour la nuit, mais bon, je bosse demain. Je vais vous laisser avec une petite musique triste. Augmenter le son de la musique. Donc c'est sur ce kikoulolisme infini que je vous laisse là. Ne va pas bosser. Bah paye-moi mon salaire, l'aile. Parce qu'il faut bien que je m'achète des figurines, wesh. À chaque fois c'est la même chose. Bah oui c'est la même chose. Oh c'est chiant quand même, le boulot c'est tous les jours. Bah ouais. Malheureusement ouais. J'aimerais bien que je n'ai pas ce problème-là. Je peux vendre le tien. Je peux vendre le tien plutôt. T'en as deux aussi. Je préfère le vendre les reins des autres. Je garde les miens. Au moins tu peux te payer à bouffer, c'est ça. Moi ils sont morts. Bah il y en a un des miens qui est mort, je crois. Mais bon. Bref, ouais, je vais vous laisser là. Je me suis bien marré, j'avoue. Ça allait pas trop bien, mais finalement, bah, je me suis bien marré et ça fait toujours plaisir quand vous venez. Ah, je m'amuse bien. Je fais le con et ça me fait marrer. Du coup, des bisous. À plus tard. Je croisais les doigts pour moi, pour mon appart, par pitié. Faites vivre la propagande du stream parmi les vôtres. Et je sais pas, je dis n'importe quoi, ne m'écoutez pas. Envoyez les sous, les Twitch Prime et je vous n'aime. Prenez soin de vous. Et des bisous, à plus tard. Prenez soin de vous. Et bah, à plus tard, une fois de plus. See ya.